Comment s'attrape un virus? Un virus est un microbe, une sorte de petite bête qui ne se voit pas avec les yeux. Le mot microbe a été inventé par un médecin français au 19e siècle. Avant, on pensait que les maladies se transmettaient par l'air. Tous les microbes ne sont pas dangereux. Il y en a même, comme les bactéries, qui sont nécessaires au corps humain. Mais certains, comme le coronavirus, sont très dangereux. Maintenant, on va voir comment s'attrape un virus. Ils peuvent se transmettre d'un animal à une personne ou d'une personne à une autre personne. Ils peuvent s'attraper de manière directe lorsque les gens se touchent ou par la salive, par exemple, ou de manière indirecte à travers un objet. Les épidémies sont des maladies qui touchent un grand nombre de personnes en même temps, sur une courte période. Et une pandémie est une épidémie à grande échelle qui peut s'étendre au monde entier comme en ce moment avec le coronavirus.